Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour un nail art, mais avant, je voudrais vous parler du blog que j'ai créé avec deux amies. Donc ce n'est pas un blog que nail art, c'est un blog surtout make-up et mode. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil et je mets tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Comme vous l'aurez vu avec les images, c'est donc un nail art aztèque et pour cela je vais avoir besoin d'un vernis bleu, de vernis en fait noir, blanc et rose. Donc c'est des fins pinceaux, vous pouvez soit utiliser des pinceaux, soit là par exemple moi c'est directement des vernis exprès pour le nail art, donc le pinceau est très très fin. Donc je commence par appliquer sur tous les ongles le vernis bleu. Ensuite, je vais faire beaucoup de traits horizontaux, verticaux, je vais faire des zigzags. Donc ça, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme ça vous plaît. Donc je ne vais pas commenter à chaque fois ce que je fais parce que vous avez les images, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Moi, ce n'est qu'un exemple que je vous montre en fait. Donc là pour les points, on peut très bien les faire au dotting tool, mais moi je n'ai pas décidé de le faire avec un pinceau parce que je voulais pas vraiment des points très ronds en fait. Ça me gênait pas de le faire qu'avec le pinceau. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment rond, vous pouvez prendre un dotting tool, ça ira beaucoup mieux. Voilà les filles, j'espère que ce nail art vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Aussi, allez regarder dans la barre d'infos pour tous les liens de mon Instagram, du blog, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!